Bravo, monsieur Gurkhan. Bravo. T'es très beau. Très, très beau. On s'en souviendra, je crois, longtemps. Et j'appuie. J'appuie tout ce qui s'est dit. Et moi aussi, du fond du cœur, j'aimerais un jour voir l'Europe heureuse. Merci pour ce prix, je suis évidemment très touché. C'est évidemment pas facile de faire une vidéo de remerciement tout seul devant son petit ordinateur. Alors j'ai écrit un texte, j'espère que ça ira. Donc je dis. La première chose à dire, c'est que ce prix vient récompenser le travail de toute une équipe et qu'il vaut vraiment pas grand-chose s'il n'est pas collectivisé. C'est donc ce que je m'empresse de faire tout de suite. Alors je remercie avant tout et du fond du cœur Elena Doraciotto et Benoît Piret, qui sont les grands responsables de cette si belle aventure des Caravelles. Merci vraiment, cher et chère, de m'avoir invité à monter dans ce train. Merci pour votre confiance, merci pour votre regard, merci pour votre bienveillance. Je remercie aussi mes chers partenaires Anne-Sophie Sterck, Salim Jaferi, Gaëtan Lejeune, Nicole Stankiewicz, Philippe Aurivel, Catherine Anse, Aurélie Curti, Clément Demaria, Valentin Périlleux, Marie Cernovic, et je remercie tous les regards bienveillants qui ont aidé à la création de ce spectacle. Chers amis, c'est un plaisir et un émerveillement sans cesse renouvelé de travailler avec vous. Il y a des expériences qui comptent dans un parcours, dans mon jeune parcours en tout cas, celle-là compte énormément et de manière très spéciale. Ça a été une recherche tellement joyeuse, tellement ouverte. Il s'est passé quelque chose, je crois, d'assez rare et de très précieux, en tout cas à mon sens. Du fait des formidables personnes qui ont porté ce projet, d'une part, mais aussi du fait d'un rapport autant autre, déjà. C'est un projet qui s'est travaillé dans le temps et qui a permis de se mettre, du moins pour un moment, hors de l'agitation du monde. Comme dans un lieu protégé, à l'abri, où peuvent se vivre des rapports autres et bienveillants, des rapports apaisés et délicats. Un lieu propice à la rêverie, où on peut faire des détours. Comme une grande marche en montagne, on chemine, seul ou à plusieurs. On se passionne pour un sujet, on prend des chemins de traverse. Ça prend le temps d'aller voir ce que peuvent bien avoir à nous raconter les Incas, les Perses, les sultans, les oiseaux. Des espaces comme celui-là sont absolument nécessaires pour écrire déjà, et puis pour jouer, et puis pour ouvrir les imaginaires, pour creuser des brèches dans ce qu'on nous vend perpétuellement comme étant un éternel réel, le seul et l'unique, évidemment, non transformable. Et puis, pour préparer des ripostes aussi, pour trouver les ruses. Est-il possible, sans se départir de l'horreur, de ménager une tendresse? C'était une des premières intuitions du projet. Créer des foyers pour l'imagination est l'acte le plus politique que l'on puisse imaginer, dit Heiner Müller. C'est encore une des premières intuitions qui ont été amenées par Benoît et Léna. Et vu les circonstances actuelles, des espaces, des foyers comme celui-là sont, je crois, plus que jamais nécessaires et plus que jamais en danger. Ce sont des zones à défendre, des écosystèmes fragiles dont il faut prendre soin. Aujourd'hui, c'est un projet qui rencontre le public, mais qui aurait très bien pu, comme tant d'autres, ne pas le rencontrer. Il y a des spectacles dont les intuitions sont parfois difficilement communicables, et ce jusque très tard. Mais la condition d'existence d'un spectacle ne doit pas se jouer seulement sur sa capacité à se communiquer. La première session de recherche, une des plus importantes, c'est là où s'essayent les premières intuitions, il n'y avait pas les moyens de rémunérer toute l'équipe. C'est le cas de beaucoup de projets, si ce n'est la majeure partie des jeunes projets à leur début. Mais cette session de travail est restée possible car le reste de l'équipe avait le statut d'artiste. J'étais le seul à ce moment-là à ne pas l'avoir. J'ai eu la chance d'être compensé par après, mais à quoi ça se tient?
D'autres ne le peuvent pas et de fait n'ont pas la chance d'inscrire leurs recherches dans le temps et de créer ces espaces protégés. On a besoin d'un outil, on a besoin d'un statut viable. Alors c'est pas comme si ça n'avait pas été déjà dit, déjà écrit, mais on va se répéter, on va redire encore la peur, la crainte, la colère, l'étouffement devant parfois tant de preuves de mépris, surtout ces derniers mois. Je pense aujourd'hui à tous mes collègues et amis fraîchement sortis d'école ou prochains sortant d'école qui, après tant d'années d'études et de travail, se retrouvent dans une extrême, extrême précarité sans ce fameux statut. Et même quand on parvient de longues luttes à l'obtenir, on est mis dans une inquiétude permanente, culpabilisé, soumis à des contrôles intempestifs, à des sanctions administratives au moindre faux pas, obligé d'aller de recours en recours juste pour toucher ce à quoi on a droit. Et des syndicats derrière qui peinent de plus en plus à nous défendre. Il est temps d'entendre, il est temps d'écouter, il est temps de se mettre au travail sur ce sujet. Voilà. Encore un grand, grand merci au nom de toute l'équipe des Caravelles. Merci beaucoup. Et post-scriptum 698, chers amis, je crois qu'ici, avec vous, c'est le plus bel endroit du monde. Alors, probablement, il y en a d'autres. Je ne dis pas que ce soit le seul plus bel endroit du monde, mais tout de même, il faut que je vous dise, partager tout ça avec vous, c'est tout de même incroyable. Monsieur Gurkhan, je rangerai le prix à côté de votre Nobel dans la vieille orangerie. Amitié, Andreas. Tchuss.